Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Guild of Dungeoneering. Lors du dernier épisode, nous avions perdu, malheureusement, Gaelden et Damned, malgré le charisme de Damned, mais on a vu qu'on était poursuivi par une grosse mimique qui pouvait nous défoncer l'anus. Donc, on va pas refaire cette quête. Apparemment, les quêtes niveau 3, on a du mal à les faire. Donc, on va partir ici sur une quête de niveau 1. On doit juste tuer un skeleton. Je pense que Aminu est prêt. Aminu, es-tu prêt à combattre pour la vie? Ou alors, on envoie le baron d'Onyx. Comme vous voulez. Ah, vous n'êtes pas en live, vous ne pouvez pas le dire. Donc, moi, je dis que le baron d'Onyx, Avec ce charisme, ne peut que gagner. Allez, vas-y mon petit baron, tu vas y arriver. You can do it. Excellent. Vous avez la ref. Vous avez la ref quand même. Alors, defeat one skeleton. Ok, il y en a un ici. Donc on va peut-être éviter d'y aller tout de suite. J'espère que vous avez la ref quand même. Du petit bonhomme qui était là. Hein. Quand même. Hein. Attention. C'est la ref du boss. Hein. Ceux qui n'ont pas la ref, attention quand même. Hein. Là. Hein. Bon rappel, hein, le chum, c'est le perso de base. Donc il a pas. C'est le perso de base quoi. C'est le baron d'Onyx. Le perso de base. En avant. Il est assez fort, assez versatile. Il commence avec rien. Tant qu'à faire, on va se défendre. Bravo le baron d'Onyx, quel talent. Tu vas mourir le baron d'Onyx. Ah, parce qu'en fait je joue au con et voilà. Vas-y, voilà le baron. Comme quoi tu arrives à t'en sortir. Tu es comme le coq. Swift et armure, stupidity plus 1, stupidity, wise, fate, charge. Non, bah tu vas prendre le bandana. Cette classe, cette classe. Ok. Ah, un mimique. Donc surtout ne pas mettre un skeleton, hein. On le sait. Mince. On va mettre ça. Derrière, on va mettre ça. Et on va mettre un thug ici. Ou alors, s'il y a un pirate, peut-être qu'on mettra un bandit. Bah oui, écoute. Déjà. Tu vas prendre qu'un de dégâts. Aïe. Aïe. Alors. Je peux pas bloquer, ça sert à rien. Ah, tu vas pas mourir le baron d'Onyx, pas contre ça. Tu prendras un, elle prendra un. Voilà, ouais, ça me paraît worth. Il reste 3 PV quoi. Oh là 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 là. Là tu lui mets 2, toi il te restera 1. Et on a le shift, donc si elle met pas une défense physique derrière, on a gagné. Bravo le baron d'Onyx. Tu vois, quand tu veux, tu arrives à t'en sortir. De temps en temps, il réfléchit. Hein. Vous avez vu ça? Blade et Shift. On aurait Shift 2. Moi, je dis aucun. Moi je dis aucun. On peut remettre un mimique ici. Et on peut partir comme ça, je pense. On va se balader un petit peu, je veux pas tuer les skeletons tout de suite. Quoique. Ça c'est. Je crois que c'est. Voilà. Aïe. J'aurais dû mettre une défense. Je croyais que c'était indéfendable. Je vais faire ça. Non, ok. Bravo le baron. Bravo le baron. Charge, bah de toute façon. Voilà. Je connais pas assez ses attaques. Hein. Ça c'est 2 plus 1. Donc je prendrai 2 et elle prend 1.
Et derrière, si je lui mets 2, il lui reste 2. Et moi aussi. Ouais, c'est bon. C'est ok, tiens. Parce que là, on a une défense, donc c'est bon. Bite. Donc, hop. Ah non! Bravo le baron. Ah, t'es mort. À moins que... Bravo le baron. Le baron se tame. Ah... ah, des fois vous avez peur. Hein. Je sais, je sais. Holy. J'ai pas de holy, j'ai pas de fire. Ouais, bon, on va prendre hook. Hein. Ah, c'est... Ah. Et s'il fait... Alors, ce talent, quoi. Ce baron. Ah, la momie, on l'a jamais affronté. Il est vrai. On doit juste tuer un skeleton. Allons-y. Allons juste chercher de l'argent pour le moment. C'est fort, hein, les mimiques, quand même. Pas les prendre à la légère, hein, les mimiques. Allez, hop. Le petit gnoll. Le gnoll aussi est fort, attention. On a de la défense, quoi. Ah, mais ce pirate, quoi. Pirate. Neurotoxine. Bah écoute, on va le bash. Comme ça, tu me fais pas de dégâts, je te fais quand même des dégâts, moi. ouais, je vais faire un slice. Ah, il m'a... Ah, ça va, il m'a pas enlevé ma défense. Bah on a gagné. Bravo à toi. Quel talent. Lanterne. Shift 3. Shift 3, c'est pas... Swift 3. On gagne 1 en Swift quand même, mais on perd 1 en Blade. On perd le Slice, mais on garde le Fleet Footed. Et je pense prendre ça quand même. Ok, alors, qu'est-ce qu'on gagne? Bah, hop, on va faire ça. Si je mets le squelette là... Allez, bon, alors, hop, on va aller tuer le squelette directement. Alors, à savoir que si, comme là, on finit avant d'avoir tout l'équipement possible, ce sera quand même celui qui aura trouvé le plus d'équipement qui gagnera la clé. Ce n'est pas méchant. Hop. Mais n'oubliez pas, hein, surtout le live, le 20, si je dis pas de bêtises, samedi 20, au soir. Mais vous aurez des annonces, hein, ne vous inquiétez pas. Well now, this is just really quite surprising. Thanks to you, I've lost a wager. Against all odds, you're surviving. Oh, pas mal ça. Next time, I hope. M'étonne pas de Baron d'Onyx, toujours vouloir l'argent. Danger. Ah, un nouvel apprenti est arrivé. Très bien. Ça m'étonne pas du Baron d'Onyx, toujours vouloir de l'argent. Après, on n'a pas eu de bless, mais on va prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Plus 100 PV, ouais. Bon. Blade plus 2, c'est pas mal si on jouait Blade. Armure plus 1, plus 2 PV, pas mal. Crush et Blade, ok. Growth Swift. Fire plus 2 et Fury. Oh, très très bien le pistolet. Très 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 bien. Swift Holy, armure. Holy, furieux, pas mal. Ah, beaucoup de Holy ici, très bien. Où est-ce qu'on va mettre ça? Bah, par ici. Voilà, le blacksmith. Voilà. Il nous reste 19 balles. Mais on va tout de suite repartir à l'aventure, à l'assaut du château. Ah. Moi, je dis. Aminou vs Minotaur qui gagne. C'est parti, mon petit Aminou. vs Minotaur. Ok, oui,
Last 10 high, tu penses que tu vas me battre en 10 secondes. Ok. J'espère qu'il bouge pas, hein, parce que sinon on est dans la merde. Mon petit Aminou, face à un Minotaur. Regardez-le, regardez ce courage qui se lit sur ses yeux. Ah, et il n'a pas l'air très très... voilà. On va faire ça. Hop, on va lui faire 3 de dégâts. Aïe, méchant. Voilà, on a un avantage sur lui. Hop. Attention, il a des attaques à 2, hein, le... Yes, 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 yes. On aurait pu mourir facilement là. Très bien. Alors, ah, les premiers trucs. Armure et 2 PV. Ah, par contre, si on prend des attaques magiques, on prend plus de dégâts. Mais un Minotaur ne doit pas faire beaucoup d'attaques magiques, je pense. Je pense que tu vas prendre l'armure de plate pour un mime. Je trouve ça génial. Ah, il se déplace. Crotte de bique. Crotte, 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 crotte. Il me faut ça, absolument. Ouais. 1, 2, ok. Il a quoi comme défaut ? Decay, Fury, 10 PV quoi. De toute façon là il nous chope, hein. C'est sûr. Donc autant mettre de l'argent et un mimique. On va essayer de gagner un level. Et... ah. On verra bien. Ah oui. Ah oui. Ça commence. Aïe. Ça au moins, de toute façon, voilà quoi. Ça. Aïe. Il nous reste 4, 1, 2. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, bah contre le mimique, c'était peut-être pas. Ouais. Aïe. Le bite. Oh là là. Bon, Amine, voilà. Je pense que tu n'es pas... mon petit Aminou, je pense que tu n'es pas... un bon guerrier. Tu meurs souvent, je trouve. Ah, j'avais pas pensé là. Qu'il faisait... Après, il m'a fait que des attaques magiques. Quoi. Allez, on y retourne. Il m'a fait que des attaques magiques. Allez, papillote. Papillote contre le Minotaur. Revanche, papillote contre le Minotaur. Donc. On va essayer de s'éloigner du Minotaur. Et nous on se déplace de 1 et lui de 2 quoi. Après il faut que je mette un mob là pour voir s'ils se battent. Je sais pas pourquoi ils se battraient mais peut-être. Voilà. Start with plus 1 en armure, ok. Ouais c'est vrai qu'il a ça. Hop, donc là il prend 1 et il reprend 1 parce qu'on a Spiky. Très très bon hein, le Bruisel. Il a beaucoup de dégâts en fait si on a beaucoup de défense avec lui. Donc je pense qu'on va on va viser l'armure avec lui si on peut en choper. Alors évidemment on en a pas. On a en armure, bon, on va prendre Swift. Hein. Au moins on aura des avantages. Alors, il va aller là, lui. Alors, question. J'ai peur que si je mette un squelette, il aille vers le squelette aussi. Là, on monte, hein.
Et si je mets un squelette ici, on continue à monter. On va voir s'il va se battre contre le squelette. Pour le faire ralentir, peut-être. Je sais pas. Peut-être. Pourquoi pas. Dommage. Ah, ça par contre, boum. Comme ça, il va prendre un PV plus un. Voilà, ça c'est très bien. Ah, mais ça c'est bien, ça, ça me fait plaisir. Ah, regardez, et là il fait que des attaques physiques quoi. Là il a fait que des attaques physiques. Ah là là là. Cette tentative de triche de l'ordinateur quoi. Allez, gagner 1 en stupidité. On aurait 2 Swift, hein. Pas mal. Ah, par contre la armure 2. C'est pas mal. Ouais, on va prendre ça. Ok, on est level 3, il est level 3 aussi. Est-ce que... Ah, allez, d'accord. Ah, on peut les ralentir en mettant des mobs sur eux. D'accord. C'est exactement ce que j'espérais. Très bien. Une fontaine de quoi ? Oh là là, ils vont être cancel. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Et je vais mettre un gnoll ici. Voilà. Comme ça, on va gagner les... On va continuer à avoir de l'avance. Pour tenter de l'évelopper, quoi. Il a 2. Ouais, bah comme ça, il prend 2 de dégâts. Voilà. Boum, boum. Voilà, déjà. Ça, c'est très bien. Là, c'est indéfendable. Donc, très bien. Ah. Prendre ça, déjà. Ah, d'accord. All. Ah, pété pour lui. Pété pour lui. Ah oui, c'est all genre all quoi. All, t'arrêtes tout quoi. D'accord. Ah oui. Ah oui. Bien vu l'aveugle. All plus 2 d'attaque. Oui. Oui. Ok. Est-ce qu'il m'embête, c'est qu'on a ça. Ce qui m'embête, c'est que là, ils sont cancel. Pour le prochain fight, et je ne veux absolument pas que lui soit cancel. On est d'accord. Je veux savoir ce qu'il fait quand même. Attention, c'est pour le prochain fight. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une autre flavor. On va mettre ça ici. Et là, on va mettre ça. Tu montes, hein. Ouais, merci. Parce que ça, je sais que c'est pas très fort. Voilà, Drain par exemple. C'est de la magie qui va me drainer un PV, donc je vais prendre ça. Voilà. Boum. Nous, on pioche et lui, il prend un dégât. Il refait Drain. Mais je vais faire ça, comme ça j'ai plus de dégâts. Je le savais hein, que ça faisait ça. Hanger, on va faire. C'est 1 ou 2. Bah de toute façon, c'est pas 3. Donc, de base, voilà. Il reprend un dégât, voilà. Paris, on va faire ça. Ah, c'est 2. Dommage. Boum, boum. Dommage, donc il prend pas le. Alors, celui-là, vaut mieux faire ça. Je crois que c'est le 2. Voilà. Boum, voilà. Il perd 2 PV. Il lui reste 2. Spook. Je ne sais plus ce que c'est. Ok. Aïe. Méchant. Voilà. Et on le tue de toute façon. Voilà. Bravo. Donc là ils sont plus cancel. Déjà ça c'est très bien. Ouais bah crush hein. Au moins. Hein. Voilà, donc là il tue lui. On va mettre un skeleton ici. 1, 2. Je vais mettre un mimique. Parce que moi je vais essayer de gagner des. Parce qu'on a vu qu'on n'avait pas gagné de. Je vais y arriver. De faveur parce qu'on n'a pas passé par un combat.
Ouais, maintenant. Oh, les tous les types, quoi. Donc, c'est très, 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 très fort. Hein. Voilà. Donc là, il va prendre cher. Voilà. Alors... Non. 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 On va skip, on va prendre l'argent. Donc on a eu un point de faveur. On est tous les deux niveau 3. Je vais prendre ça. Je vais mettre ça. Un, deux, mince. Je vais mettre ça là. Voilà, comme ça au moins il avance que de 1 et nous on gagne un peu d'argent. 1, 2. Sachant qu'on avance de 1. Je vais évidemment me mettre la momie ici. Ça, je te mets ça là, toi. Comme ça, j'aurai au moins 2 points de faveur. Je pourrais bloc en plus. All plus 2 de dégâts, mais oui. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Bah voilà. Boum. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Voilà. Tellement fort. Alors. Armure plus 1, non. Quoique. Et on peut. Ah! Je perds pas de carte, mais je gagne tenace. Je perds 1 en armure, cependant. On va prendre tenace. Yes, on est level 4. Pourquoi je prends tenace? Parce que comme ça, je meurs pas. Si il me met à 0 PV, je meurs pas. On va mettre ça là. On va mettre un bandit là, parce que pourquoi pas. Il va avancer de 2. Allez. De toute façon, il est temps. Hein. Arrivé un moment, il est temps de l'affronter. Allez. Vas-y, papillote. Tu peux l'avoir. Tu es tenace, ne l'oublie pas. Hein? Tu fais que ça? Ok. Ça me dérange pas. Mmh. Ok. J'aurais pu faire bloc en fait, je suis con. Je veux pas utiliser. Voilà. Je veux pas utiliser ma faveur, mes faveurs tout de suite. Ah! On va déjà bloquer de 1. Et ensuite de 2. Voilà, comme ça on bloque quand même de 2. Voilà. Attention. Ouf. 3. J'ai pas un haul là. Ah. Il prend un PV. On va prendre ça. Tant qu'à faire. Aïe. Il fait 3, on a 4. Et on a ça. Donc c'est bon. On a gagné. Bravo papillote. Tu es le meilleur. Bravo papillote. Tu as réussi à vaincre le Minotaur. Avec ton charisme. Ok, bravo. Nouveau Mimi qui est arrivé. Expand Guild. Eh bien, on va pouvoir commencer à prendre les blessings. Alors, ça fait quoi ça? Alors. Starting and size in battle for the 2 first fight, c'est de la merde. Plus 1 for the 2 first fight, c'est de la merde. Plus 1 first physical damage in the battle for. Ouais, mais en fait, ce qui m'embête, c'est que c'est juste pour les. Ça, par contre, c'est peut-être le mieux. Ok. Ah, c'est même pas un bâtiment, d'accord. Ah là 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 là. Ah, Aminou. Désolé Aminou, tu es décédé. Damned.
Non. Quel long cimetière. Notre cimetière commence à s'agrandir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a quand même Grasslands. Attendez. Mountain of Nub. Ah! Aska Jungle. Pirate Coves. Ah mais oui, ce sont des nouvelles destinations. Oh là là, regardez toutes ces destinations, les mines des nains. Oh là là, oh là là, il y a tellement de trucs en fait. Ah oui d'accord, c'est là. D'accord, là on est dans les Grasslands et donc là ça doit certainement être les montagnes. Ah, il comprend des choses, il commence à comprendre des choses. Oui, vous voyez, hein, il faut regarder un peu ce qui se passe dans les jeux. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.